Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On va faire un trois choix, donc quelle est votre grande force? Ou si ça parle pas de ça, ça peut être simplement des messages, ça m'arrive de temps à autre. Voilà un message pour vous actuellement et si possible votre grande force actuellement à utiliser. Donc comme toujours les amis, je ne détiens aucune vérité dans votre vie, je ne suis pas là pour vous imposer une manière de faire, d'être, de voir, peu importe. Si ça ne résonne pas, ne prenez pas et vous pourrez faire un ou plusieurs choix. C'est égal, je mettrai le temps sous la vidéo. Je vais utiliser les cartes de manière intuitive parce que je ne suis pas tarologue ni cartomancienne. Et vous pourrez faire vos choix entre la bague, pour le choix numéro 1, la fleur, pour le choix numéro 2, la rose et la sauge pour le choix numéro 3. Une. Alors, on commence avec vous qui avez choisi la bague. Quels sont vos messages et quelle est votre grande force actuellement? Votre grande force se trouve dans le domaine relationnel. Vous avez cette faculté à connecter très facilement aux émotions des personnes, aux situations aussi de vie de ces personnes que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Vous êtes des personnes avec qui peut-être les gens ils ont envie d'être votre ami, ils ont envie d'en découvrir plus. Vous êtes aussi mystérieux, mystérieuse de ce que je ressens. Vous êtes des personnes engagées. Quand vous prenez une décision, en général, vous allez au bout des choses. Quand vous... comment on me dit ça? Quand vous faites une promesse, vous allez jusqu'au bout. Vous êtes des personnes de parole, des personnes qui sont investies. Et quand vous décidez quelque chose, vous y allez jusqu'au bout, vous êtes déterminé et vous vous investissez à 100%, voire à 200%. C'est pour moi votre grande force. Vous êtes des personnes aussi très... probablement très créative dans votre milieu, c'est-à-dire qu'on peut être très... en fait, vous pouvez exceller dans un domaine comme beaucoup de monde, mais ça peut être dans le sport, ça peut être dans la créativité, ça peut être dans le chant, ça peut être dans l'art, ça peut être dans la guérison, ça peut être dans le tarot, ça peut être dans le coaching, ça peut être vraiment dans l'écriture, peu importe. Mais vous avez vraiment un domaine qui sort du lot et on vous demande vraiment de vous concentrer là-dessus. Il y a un message aussi que j'entends, que je ressens, c'est aussi cette envie d'union, de s'unir. Vous avez une grande force aussi pour pouvoir unir les gens, voilà, c'est ça. Unir les gens autour de vous, rassembler du monde, peut-être aussi dans un côté leadership, comme ça, comme si vous savez que l'union, elle fait la force, même si vous êtes très indépendant et autonome, vous n'avez pas besoin des autres, en fait, pas du tout, mais c'est plus cette question de, allez, soyez unis, peace and love, en fait, d'une certaine manière, vaut mieux... Vaut mieux s'aimer que de faire la guerre, quoi. Il y a vraiment cette énergie-là. Ok, cool. Ok. Quel est votre message du moment? Vous qui avez choisi la bague. Oui. Ici, on vous dit que il y a la grenouille et il y a le mouvement avec le pélican, purification. Ici, en fait, vous avez, vous, une de vos grandes forces, c'est que vous avez cette capacité à bondir, à rebondir. Mais parfois, ça peut être aussi votre déséquilibre. Ça veut dire que il faut trouver le moyen. Parfois, vous savez, une grenouille, quand elle est sur son nénuphar, elle va attendre qu'il y ait une petite mouche qui arrive pour pouvoir hop, sortir la langue et la manger au bon moment. Parce que vous la voyez pas sauter à tout va, partout et à perdre son énergie. Il faut faire attention en fait avec ça. C'est-à-dire, faut sauter au bon moment. Et je pense que c'est un apprentissage, une leçon de vie actuellement. C'est que vous êtes tout le temps peut-être un petit peu trop en mouvement et que parfois, il y a juste besoin de laisser aller les choses pour pouvoir laisser faire la vie, en fait. C'est une question de lâcher prise. Il y a cette idée aussi que, comment dire, c'est à la fois, vraiment, c'est votre grande force, mais ça peut aussi être un déséquilibre, c'est-à-dire que il faut trouver toujours ce juste milieu entre le fait de s'épuiser dans une situation et le fait de, ok, j'attends le bon moment, mais quand c'est le bon moment, je saisis cette chance à ce moment-là. Il faut faire attention de ne pas brusquer, en fait, l'énergie, l'univers et d'y aller avec le processus. Votre grande force aussi, c'est que vous avez cette capacité de vous remettre en mouvement assez facilement dans la vie après des périodes de flou, des périodes de difficultés, des périodes assez lourdes.
Je vais encore prendre quelque chose parce que je le ressens. Oui, l'indépendance, le chat. Je vous ai dit, vous êtes très indépendant, très autonome. Vous êtes aussi très, j'entends assez sensuel comme ça, très sensuel. Vous êtes connecté très fort au sens intérieur, au sens interne, au ressenti, à la sensualité, à... Vous voyez cette énergie, ok, prenez le temps vraiment pour faire émerger cette énergie en vous. On vous dit ici, pour certains, ça peut être un message aussi que pour l'instant, vous vivez une certaine période de purification, vous êtes un peu sur le qui-vive, peut-être que vous êtes senti trahi, peut-être que vous êtes aussi, pour certaines personnes, vous avez envie de vous lancer dans l'indépendance ou dans un projet de vie, vous attendez de vous mettre en mouvement et vous êtes un petit peu prudent comme ça. Pour d'autres personnes, c'est vraiment, on vous pousse à l'indépendance hein, et il y a cette idée d'être, de trouver un équilibre en tout cas actuellement dans votre vie. Bon, superbe. On va demander ici le conseil ou enfin, peu importe le message. Chevalet de Denier. Ici, ce que je ressens, c'est que parfois, il y a encore de la dualité. Il y a encore de la dualité, c'est pour ça que vous êtes un peu sur le qui-vive. J'y vais pas, j'y vais pas. On vous dit que vraiment, quand vous vous connectez à votre cœur, vous allez savoir quand il faudra y aller et que ça sera le bon moment de vous mettre en mouvement. Mais il y a besoin de retrouver comme ça aussi cette liberté intérieure et ça passe, excusez-moi, peut-être par une révélation. Donc voilà, je continue. Oula. Le chariot, le 5 des épées et l'as de deniers. Ici, vraiment, dans le domaine professionnel ou dans le domaine, dans un projet de vie, on vous dit que c'est comme si pour l'instant il y a encore cette dualité, vous posez beaucoup de questions, il y a beaucoup encore de mental, mais il y a un changement qui est amené. C'est comme si vous avez gagné beaucoup de batailles dans votre vie, puis vous attendez parfois, vous dites, ok, il est où le piège maintenant que ça va bien hein? Ça, c'est vraiment quelque chose aussi, ok, laissez la porte ouverte aux belles choses. Il y a une idée ici, en tout cas, il va y avoir un mouvement. Quelque chose qui va se passer tout à coup assez rapidement et dans la construction et quelque chose qui peut, si vous prenez la décision du cœur vraiment et dans la construction peut-être même du chemin de l'indépendance professionnelle ou alors de quitter une situation peut-être toxique et de retrouver votre indépendance, ça va être vraiment un succès et ça va vous apporter l'abondance. Vous avez énormément de messages, donc écoutez votre intuition. Voilà les amis, prenez bien sûr uniquement ce qui résonne. Paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous et à bientôt. Alors, nous, on continue avec vous qui avez choisi la rose. Regardez quels sont vos messages et votre grande force. Vous, vous êtes les personnes qui arrivez à apaiser les autres. C'est vraiment ce que je ressens. À apaiser les gens, à apaiser des situations, désamorcer des conflits. Vous êtes des personnes, vraiment, votre grande force, c'est même dans le tourment, vous avez cette faculté, peut-être même si certains d'entre vous ne le savez pas encore, mais de trouver le calme dans la tempête. Vous êtes la personne qui a ce sang-froid, en fait, à l'intérieur, malgré toutes vos émotions, parce que vous êtes souvent ici beaucoup de très grands sensibles, des hypersensibles aussi, et même des personnes au potentiel, comme ça, émotionnelles, hein, pas au niveau du QI, mais vraiment émotionnel. Et donc, vous avez parfois l'impression d'être débordé par les événements, les situations, les émotions. Mais en soi, vous êtes la personne qui gardait le sang-froid alors que tout le monde panique. Pourquoi? Parce que vous arrivez toujours à connecter à la beauté de la vie et vous arrivez toujours à garder vraiment ce sang-froid. Pour moi, c'est... Il peut y avoir n'importe quoi autour de vous. Peut-être que vous allez paniquer avant et après, mais pas pendant. Ouais, c'est assez dingue. Vous êtes des personnes très douces, très calmes et très apaisantes. Faux calme aussi, parce que forcément, à l'intérieur, ça boue parfois. Mais il y a cette idée comme si je peux apaiser les autres. Par contre, vous vous êtes fait souvent un peu ronger comme ça, c'est ce que j'entends. Ronger par le stress, l'angoisse, dans les périodes justement où... Sirius, tu me fatigues, viens ici. Allez, Sirius, tu descends. Tu peux arrêter avec les copains. Pardon. Donc,
Oui, vous faites vite du souci en fait, mais pas dans la phase critique, c'est ça qui est drôle. C'est à la fois vraiment votre qualité, c'est dans la phase critique, vous êtes là, douceur, apaisement pour les autres, mais avant, c'est comme si vous recevez les énergies avant et que ça vous angoisse parfois. Et aussi, je sens que vous êtes fait pas mal bouffer, en fait, rongé par les autres ou des situations de vie. Mais votre grande force, c'est toute cette sensibilité accrue et cette manière-là que vous avez de pouvoir rester posé et aligné quand tout va mal autour de, enfin, autour de peut-être quand il y a des situations peut-être mondiales, déstabilisantes ou des choses comme ça. Ou quand quelqu'un est pas bien et vous paniquez pas, vous êtes là pour l'apaiser en fait. Il y a cette idée de gérer, mais vous savez pas toujours comment. Personne qui a choisi, ouais, générosité là-dedans. On a la générosité, vous êtes généreux, vous êtes. Faut apprendre par contre vous à être généreux aussi envers vous-même. Le pouvoir, vous avez un immense pouvoir du cœur, vraiment. Vous avez le jaguar, il y a quelque chose qui est très très fort. Vous avez vraiment cette force intérieure et vos émotions, ce sont cette force intérieure. C'est cette force intérieure. À la fois, elles peuvent parfois vous jouer des tours, mais en fait, c'est une immense force. Vous êtes des personnes, vous pouvez y aller rapidement. C'est-à-dire que vous savez aussi saisir vos chances parce que vous êtes connecté à votre âme et c'est comme si, ok, je dois y aller, je le sens, j'y vais. Vous réfléchissez pas, vous réfléchissez avant. Voire après, quand vous dites, oh, j'ai fait tout ça, mais est-ce que c'est juste et tout, vous remettez en question après, mais pas pendant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cet esprit très tac au tac, quoi, très spontané. Vous êtes très spontané. Vous êtes des personnes extrêmement généreuses, généreuses. Et vous avez un fort pouvoir d'attraction aussi, c'est ce que j'entends. Intégrité, c'est ça, c'est vraiment le mot d'ordre. Je suis intègre. Vous n'allez pas faire de la complaisance. Vous allez toujours suivre votre instinct. Vous allez toujours partir dans votre. Et vous avez une très grande faculté à pouvoir vous remettre en question aussi. Et ça, c'est merveilleux parce que ça vous permet vraiment d'avancer. Vous êtes des personnes qui permettez aussi aux autres de trouver un élan par votre générosité et de retrouver leur pouvoir personnel. Magnifique. Est-ce qu'il y a autre chose, un message, quelque chose pour vous? Choisis donc la fleur, la rose. C'est le 4 des bâtons et le 8 des deniers. Oui, ici vraiment, on me dit qu'il y a une ouverture. Vous avez travaillé dur. Hein, ou on vous demande encore peut-être de travailler dur sur un projet qui prend du temps de. En fait, moi j'entends vraiment, je sais pas comment dire, mais. Ici, il y a quelque chose qui vous demande une certaine concentration, un certain investissement, mais on vous dit que ça va être payant. Ça va être vraiment payant, donc faites-vous confiance. Et ça peut être dans n'importe quel domaine, mais ici aussi au niveau de la mission d'âme, hein, c'est ce que je ressens. Mais oui, c'est ça, vous êtes conquérant, conquérante. Ici, il y a beaucoup de passion, vous êtes des gens passionnés, vous êtes passionnant pour les autres, vous êtes attractif pour les autres. Ici, je sens qu'il y a vraiment, même dans le domaine sentimental, il y a peut-être un homme, si vous êtes une femme, qui pense à vous et qui se dit, mais il étudie peut-être la situation sous tous ses angles. C'est comme si vous êtes un mystère à ses yeux, mais en même temps, vous êtes tellement interne et tellement abondant, abondante. Enfin, vraiment, c'est très, très puissant. Et c'est comme si on n'arrive pas trop. Vous pouvez porter entre guillemets plusieurs masques, mais c'est pas des masques méchants, c'est pas des masques je me fiche de toi. C'est plus des masques de. J'ai plusieurs. C'est pas même plusieurs personnalités, mais c'est plus. Il y a plusieurs facettes de vous qui sont toujours à découvrir et c'est passionnant en fait pour les gens qui vous connaissent pas quoi. Mais oui, c'est ça. Par contre, vous avez vécu vraiment beaucoup de difficultés dans le passé, des choses très très difficiles, mais aujourd'hui vous êtes vraiment en train de reconnecter à une amélioration, un changement, une stabilité aussi émotionnelle, c'est ce que je ressens. On vous dit vraiment d'aller de l'avant dans une situation de vie, hein, et de prendre des décisions avec justesse. Vous êtes ça, vous êtes ces personnes qui arrivent à prendre les décisions justes et au bon moment, c'est ce que j'entends. On vous dit vraiment là de continuer à croire en vous, puis de gagner toujours en affirmation de soi et d'écouter vos passions aussi, ça sera très important parce que vos passions sont directement chez vous reliées à votre âme, à votre cœur. C'est pas chez tout le monde, mais chez vous c'est comme ça. Et que vous allez être prospère ici. Hein, vous cherchez une stabilité. Ici, dans le domaine sentimental aussi, il pourrait y avoir quelqu'un qui est un peu paumé vis-à-vis de vous. Ou alors, enfin un homme, parce que c'est vraiment des hommes et des femmes là. Donc si vous êtes un homme qui regardez, vous êtes peut-être perdu par rapport à une femme. Hein, où vous dites, wow, elle m'amène à ma vérité intérieure, quoi. Elle soulève beaucoup d'émotions. Si vous êtes une femme, c'est un homme qui pense comme ça de vous. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais cette personne, vous, si vous êtes une femme ou cet homme, sait que vous avez énormément souffert. Et que vous ne voulez pas des mensonges, quoi. On ne peut pas vous mentir. Ça, c'est votre grande force. On ne peut pas vous mentir. Donc voilà, c'est un court message. Prenez que si ça résonne, bien évidemment, mes amis.
respect, amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous et à bientôt. J'arrive pas à voir à combien de minutes on est. Mince. Du coup, ça fait un gros plan sur ma tête, mais j'ai juste un truc qui me perturbe. J'arrive pas à voir. Ah, 14 peut-être. Voilà, donc on continue avec vous qui avez choisi la sauge. Bonjour et bienvenue. On va regarder quels sont les messages et vos grandes forces. Bon, ici vous êtes des bougillons, c'est-à-dire que soit vous bougez tout le temps les jambes, il y a cette idée de très grande activité aussi cérébrale qui fait que ça peut s'établir par le corps comme ça ou par le mental. Soif d'apprendre, soif de connaissances, soif de curiosité, d'apprentissage. Votre grande force c'est votre mental ici, mais vraiment c'est votre mental. Un mental extrêmement vif, extrême, vous êtes très vif, vive. Moins connecté à l'émotionnel, par contre, bon, c'est en train de revenir depuis un certain temps, mais ça a été plus compliqué pour le côté émotionnel. Vous êtes vraiment plus très posé, très. Peut-être ici, il y a des personnes qui arrivent à résoudre des problèmes dans la logistique, c'est ce que j'entends. D'autres personnes, c'est vraiment dans le côté. J'assimile énormément de savoir, dans le corps humain, enfin vraiment il y a plein de choses comme ça, c'est très fort. Vous êtes des personnes essentiellement tournées, vous adorez la nature, vous adorez, et si vous êtes un homme, les femmes naturelles, ou si vous êtes une femme, les hommes naturels. Il y a cette idée ici d'inspiration en fait profonde, de tradition, de connexion à l'ancien, peut-être de chamanisme aussi, c'est tout à fait possible. Mais vraiment, il y a cette idée ici, comme si vous travaillez dur, vous savez vraiment, vous fixez des objectifs et vous allez toujours au-delà de vos limites, en fait. Même si ça peut prendre beaucoup de temps, parfois, surtout dans le domaine relationnel et sentimental, parce que vous avez du mal parfois vraiment à connecter à vos émotions et à ouvrir votre cœur, et ouvrir votre porte tout court. Et même à vous dévoiler, peut-être même physiquement pour certains, certaines, ça peut prendre même beaucoup de temps. Mais il y a cette idée comme ça peu importe en fait le travail, l'intensité, les choses, petit à petit, vous y allez gentiment. Par contre ici, parfois très lent aussi, certains, certaines. Mais la charge ne me fait pas peur en fait. Vous êtes... ouais, c'est très drôle. Ok. Donc pour vous qui avez choisi la sauge, votre grande force, les messages. Ouais, vous savez saisir les chances et créer de la chance. Hein. Vous savez créer les choses. Ouais, c'est ça, c'est trop bien. On a la chance, la coccinelle et le chat, l'indépendance. Clairement, vous êtes des personnes, ou peut-être que vous avez eu souvent, vous êtes estimé chanceux pour certaines situations ou... ici, ce que j'entends aussi, c'est que vous essayez toujours c'est comme si vous preniez toute la vie comme un apprentissage, même si pendant longtemps, ça peut être plutôt le sentiment d'échec qui vous faisait peur, mais il y a plutôt cette idée, bon, ben, c'est une chance en fait, si je vis ça, c'est une chance. Vous êtes des personnes extrêmement indépendantes, c'est pour ça que parfois vous avez du mal à vous lier avec les autres, ou alors vraiment avec des gens que vous connaissez depuis longtemps. Il peut même y avoir une forme de timidité sociale. Il y a vraiment ce côté relationnel qui est un petit peu bloqué chez vous, parfois, et surtout dans le domaine sentimental. Attendez. Sirius, tu descends. Viens ici. Tout de suite. Sirius, viens ici. Tu arrêtes avec ça. Viens là. Stop, hein. Oui, voilà. Et... ici, ce que je ressens vraiment, vous êtes des personnes extrêmement indépendantes, autodidactes, vous aimez apprendre, peut-être très solitaire aussi, c'est possible. L'ours, le soin. Vous prenez soin des autres, mais ça, vous le cachez en fait, ouais, c'est ça. Vous prenez soin des autres, mais vous le cachez. Vous montrez quelqu'un de très ferme, très indépendant, très autonome, très sûr de soi, un peu, même peut-être des fois tranché à vif ou comme ça, alors qu'en fait, vous êtes quelqu'un, vous êtes une chance sur le chemin des autres quelque part, c'est ce que j'entends, et vous n'allez pas piétiner sur les plates-bandes des autres. C'est-à-dire, ok, parfois vous pouvez avoir des idées très arrêtées ou comme ça, mais bon, vous savez que ça vous appartient, quoi. Il y a cette idée aussi de laisser les autres, en fait, s'occuper d'eux-mêmes, quoi. Vous avez vraiment compris cette sagesse-là, qu'ils ont leur chemin et que vous pouvez les aider, mais que c'est eux qui se soignent tout seuls, c'est eux qui avancent aussi pour eux-mêmes. Il y a cette idée ici de... Vous avez du mal, par contre, avec votre corps physique, pour la plupart, vous avez eu du mal à accepter quelque chose avec votre corps physique, c'est ce que j'entends. Et au-delà, vous êtes des personnes, vous savez, un peu les gros nounours comme ça me fait penser à ça, c'est-à-dire
Alors, je suis désolée, mais ça a coupé. Je ferai un montage, c'est pas grave. Je sais plus où j'en étais, mais en fait, j'ai d'autres messages qui me sont parvenus. C'est, vous pouvez paraître très peut-être fermé, ferme, indépendant, sûr de soi. Peut-être vous tenez très droit, même un peu rigide ou comme ça, ou droite. Mais en fait, c'est parce que vous avez beaucoup de savoir et de sagesse d'âme. Et en fait, vous allez laisser la chance à quiconque en a besoin. Vous allez ouvrir votre. Enfin, pas émotionnellement, mais peut-être dans le domaine professionnel, ou enfin peu importe, au niveau des perceptions des gens, vous n'allez pas imposer en fait votre point de vue, bien que vous savez et que vous êtes ferme, parfois très fermé sur vos propres idées, mais vous n'allez pas juger l'autre en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il a. Il y a cette idée de bon, ben, il fait son chemin, ça lui appartient, mais je laisse la chance. Admettons par exemple, il y a quelqu'un qui a peut-être fait du chenil dans son passé, ben, au domaine professionnel, si vous êtes un patron, vous allez peut-être laisser une chance, une opportunité à cette personne. Mais vous paraissez un peu très fermé comme ça, très dur même, un peu, peut-être même arrogant. Ça, vous pouvez paraître arrogant, arrogante, mais pas en parlant comme ça. C'est juste quand vous savez, je ne sais pas comment dire. Vous prenez souvent des pincettes et vous prenez le soin en fait, vous prenez soin des autres en cachette. C'est très simple en fait, c'est comme ça. Vous aimez pas être mis en lumière, et puis vous aimez avoir des petites intentions, des petites pensées, des petites choses, mais qui vont presque passer inaperçues, vous ne le soulevez pas. Et j'entends aussi ce côté un peu rigide, vous rend sexy. C'est trop drôle. Ok, est-ce qu'il y a un message pour vous, quelque chose, vous qui avez choisi la sauge? Alors, on a le 8 des épées, le chevalier des épées, le 7 des bâtons. Je vais continuer. Il y a un chagrin d'amour ici. Vous avez vécu un chagrin d'amour, 3 de bâtons, la roue. Ouais, la reine des coupes et la grande prêtresse. Ici, vous vous posez des questions dans le domaine sentimental ou relationnel. Ça a été difficile, vous êtes perdu dans une situation, c'est ce que je ressens. Et en fait, vous avez surtout pas envie que ça se sache, ou que la personne que vous aimez le sache, ou que votre entourage sache ce que vous ressentez de manière générale émotionnellement. Et vous êtes un peu, et vous cachez de cette situation qui vous a blessé ou qui vous perturbe en fait émotionnellement, mentalement. Vous montrez rien si ce n'est votre grande force. Vous désirez beaucoup une personne pour certains. Certaines, mais vraiment, il y a énormément de désirs, un désir à la fois spirituel de communier d'âme à âme, et un désir aussi charnel, physique et sentimental. Il y a vraiment un ensemble. Ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une personne dans votre. Si c'est sentimentalement ou alors c'est amicalement, dans l'entourage, il y a une personne, probablement une femme si vous êtes un homme, ou inversement si vous êtes une. Enfin, bref, mais il y a eu une personne ici qui, comme vous a révélé quelque chose en vous et vous a permis franchement de voir à quel point peut-être vous restiez fermé dans le domaine sentimental. Quelqu'un, une femme très très intuitive, une femme, ou peut-être que c'est vous cette femme très intuitive, et puis qu'il y a un homme qui est un peu perdu en face de vous, qui ressent énormément de choses mais qui le cache. Mais une femme très intuitive, une femme très connectée en fait. Et c'est comme si c'est venu. On vous demande de débloquer cette situation puisque vous n'êtes pas bien, vous ou la personne. En tout cas, il y a des hommes ici qui ne sont pas très bien. Oui, on est bloqué dans une situation. Le pendu, on est bloqué dans une situation et du coup, on n'arrive pas à bouger, on n'arrive pas à faire un choix. J'ai vraiment cette sensation-là, c'est pas évident. Oui, mais on va trouver une solution ici. Ouais, par rapport à l'as des coupes, par rapport à de l'amour, on se sent. Bon, ici j'ai des personnes, soit vraiment vous êtes célibataire, homme comme femme, et puis vous avez été bloqué dans une situation pendant longtemps, et du coup en fait il y a beaucoup de perturbations émotionnelles, et vous avez envie de retrouver un peu plus de légèreté, d'écouter votre intuition, mais vous restez bloqué. Peut-être vous avez peur de vous ouvrir à l'amour parce que vous avez beaucoup souffert. Pour d'autres personnes, vous avez vraiment une femme, si vous êtes un homme, une femme dans le cœur qui est. Qui est très profonde comme ça, très. Et c'est un ensemble en fait, elle est hyper abondante, je sais pas comment dire, waouh, c'est un truc de fou. Et vous avez envie de vous déplacer, mais vous avez peur, mais en même temps, vous pouvez plus lutter parce que vous avez trop d'amour. Et pour d'autres personnes, c'est vraiment dans le domaine émotionnel où vraiment. C'est comme si on vous dit de vous ouvrir à l'émotionnel et à vos intuitions. Mais franchement, pour certains, certaines, y a besoin de communiquer avec une personne, de la toucher, c'est fort. Ouais, l'empereur. Vous montrez pas votre faiblesse. Surtout pour les hommes, ici, vous montrez pas que vous êtes.
pas en perdition, mais intérieurement, waouh, c'est limite vous en avez chialé quoi, mais c'est pas possible quoi, je veux pas le montrer, je veux montrer que ma force, moi je suis un empereur, je suis fort, je suis forte. La tour et pourtant tout s'est effondré, vous montrez rien de vos émotions, vous laissez rien paraître. Par contre, vous avez toujours l'espoir dans cette situation. On va demander aussi un conseil pour ça. Ouais, le soleil. Le soleil, c'est vraiment, mettez de la lumière, faites la lumière là-dessus, lâchez les angoisses et allez vers votre soleil, quoi. Vraiment. Très clairement. Très, très clairement. La situation n'est peut-être pas finie, c'est ce que j'entends. Peut-être que vous croyez que la situation, elle est perdue, mais allez-y, si vous y allez, en fait, il y a encore une ouverture pour certaines personnes au niveau du sentimental, avec une personne avec qui c'était bloqué pendant longtemps. Voilà, donc prenez que ce qui résonne, paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.